loin du vieux port de Marseille, le quartier Sainte-Marthe. Après 4 ans de fermeture, le seul fast-food du secteur rouvre ses portes ce matin. Avec un nouveau nom, l'après-M. Et bonjour. Bonjour. Ça va? On a ramené au poisson. On arrive avec la sonde quand même. Positif. Ouais, s'il te plaît. Allez, regarde, déjà, ça a déjà une minute de retard alors que tu t'en avances. Ah. Paola, elle est là, ta carte. Entrée. Mais entrée. Entrée, voilà. Voilà, c'est bon, tu peux poser ta carte. Non, non, emballage. Kamel Guémari a travaillé 20 ans dans la restauration rapide. Aujourd'hui, il endosse le costume du patron bénévole de ce projet un peu fou. Ah, c'est le gros rush, là. C'est le gros rush, c'est la préparation, c'est la mise en place. C'est la première mise en place. Si ce restaurant fait des bénéfices, ils serviront à financer de l'aide alimentaire pour des familles pauvres du quartier. Allez, go, 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 go. Il est midi. Premier test avec des vrais clients. Ça va arriver là. Mis à part quelques cadres, l'équipe est constituée de bénévoles. Qui c'est qui me coupe le pain? Je me coupe le pain. Et de chômeurs en difficulté. Non, il n'y a pas d'arrêt. En cuisine, Kamel doit tout expliquer. S'il vous plaît, la garniture, on la fait sur le talon. Allô, le talon, c'est ça. Là, c'est le chapeau. C'est bon? Donc, on a fait la garniture à l'envers. Dans l'arrière-cuisine, c'est aussi la panique. C'est quoi que tu n'as pas compris? Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi les cibettes, les tomates, les coriandres, non, aneth, c'est quoi ça? Aneth, c'est les herbes qu'on a coupées, rappelle-toi. On a coupé coriandre et aneth, tu te rappelles ou pas? C'est pas les cibettes, non? Non, aneth et coriandre. Non, et là, il te manque que les cibettes et c'est bon. Tu mets tout dans un cul de poule. Une fois que c'est dans le cul de poule, tu envoies dans le chat. La chapelure, donc la chapelure. Tu mets dedans. Après, ouais, mets tout dedans. Hop, Perrier. La file des hamburgers en retard s'allonge. J'en ai 14 en attente. Mettre un fast-food au service de la redistribution des richesses. Un défi un peu dingue que nous avons suivi pendant un an. Tout commence loin du centre-ville, dans le 14e arrondissement de Marseille. 40% des ménages vivent avec moins de 700 euros par mois. Les quartiers nord sont une des zones les plus déshéritées de France. Fatih Boiroy est un des fondateurs de l'après-M. Ancien directeur régional de la Fondation Abbé Pierre, il a toujours vécu ici. C'est vraiment une ville qui est extrêmement pauvre. Même si elle est en train de se gentrifier, on parle beaucoup des Parisiens qui débarquent, notamment au centre-ville. Mais dans les quartiers populaires, ça s'est encore plus appauvri. Et vous avez tous ceux qui ont besoin de vivre, de manger. Ils récupèrent les poubelles, on trouve beaucoup de Roms, de sans-papiers, ou de gens tout simplement très pauvres. C'est un peu ça qui nous motive à trouver des solutions pour nourrir les gens. Donc là, on arrive à l'après-M. Ce nom, après-M, fait référence à l'ancien propriétaire des lieux, la multinationale McDonald's. À l'intérieur, les friteuses n'ont pas servi depuis 4 ans. L'histoire de l'après-M commence en 2018, quand l'enseigne américaine décide de fermer l'établissement. Selon elle, pas assez rentable. Inauguré en 1992, le magasin est le deuxième employeur privé des quartiers nord. 77 personnes y travaillent, 55 en contrat à durée indéterminée. J'ai 52 ans, ça fait depuis 82 que je suis là. Voilà, je ne sais même pas ce que je dois faire, c'est fini. Kamel Guémari est alors directeur adjoint du McDo. Syndiqué force ouvrière, il prend la tête de la fronde et occupe les locaux avec ses collègues pour empêcher la vente du restaurant. En mars 2020, arrive le Covid et le premier confinement.
les occupants transforment l'établissement en plateforme de distribution alimentaire. Leur histoire fait le tour du monde. Même le magazine Forbes y consacre un reportage. Le confinement terminé, la distribution de produits alimentaires une fois par semaine continue. Cette aide est devenue indispensable pour plus de 600 familles du quartier. Bonjour les jeunes. Mais comment financer cette solidarité? Bonne journée. Fatih Boiroy et Kamel Guémari ont alors une idée. Rouvrir le fast-food et utiliser les bénéfices du restaurant pour acheter des denrées à destination des plus démunis. Leur projet réunit plusieurs dizaines de bénévoles. Un chauffeur de taxi, un architecte, un cadre dans une filiale d'EDF. Donc, quelle date on sort tout? Ça y est, on dit personne, mais on se dit une journée. Lila, une ancienne hôtesse de l'air, et bien sûr des anciens salariés du McDo. À moins qu'on ait le prêt. Fin mars 2022, il leur manque 200 000 euros pour ouvrir le restaurant. La mairie a racheté les murs, mais elle hésite à leur signer un bail à long terme. Les banquiers, eux, ne sont pas décidés à leur prêter de l'argent. Mardi, on a un rendez-vous avec le banquier pour essayer d'avoir un prêt, sachant que je vous rappelle qu'on n'a pas d'actifs. On n'est pas chez nous, ce n'est pas notre propriété. Et puis notre bail est trop précaire. Non, on a dit on donnait en garantie Kamel. C'est notre... Du Ivoirien. Ça n'a pas marché. C'est notre bien corporel. Pourtant, c'est notre bien... C'est le bien corporel. C'est notre bien le plus précieux, nous. Ouais. Mais non, ils n'en ont le pas voulu. Pas matériel. Le profil de l'ancien gréviste ne rassure pas les banquiers. Pourtant, pendant 20 ans, il a gravi tous les échelons de la hiérarchie McDo. On ne se battait pas contre McDonald's, mais on se battait pour préserver l'outil de travail, préserver l'emploi dans ces quartiers-là, qui ne puisse pas devenir un rêve. Pour moi, de travailler, ça doit être une normalité. Il habite dans une cité des quartiers nord, la Solidarité. Au 13e étage d'une barre HLM, un nid d'aigle à l'environnement trompeur. On a une vue extraordinaire. On a une vue sur la mer, sur Notre-Dame, sur la colline. Mais on a un petit souci. On n'a que la vue, mais pas l'accès. Dire pour aller à la mer, il faut prendre au moins 3 bus. Dire pour aller dans le centre-ville, c'est une galère. Du coup, on est cloisonné ici, dans un quartier, entre soi. Père de 3 enfants et fraîchement divorcé, à 41 ans, Kamel est retourné vivre chez sa mère. Il a refusé les propositions d'arrangement de la chaîne américaine. Je me suis retrouvé, oui, sans revenu, sans aide. Si j'aurais voulu, j'aurais récupéré directement la transaction que McDonald's m'avait proposée dès le départ et j'aurais continué ma vie à vouloir pouvoir m'occuper de moi-même. Mais vu mon parcours de vie, j'avais pas le choix que de pouvoir affronter et me sacrifier pour préserver un lieu qui pourrait être un ascenseur social, comme il a été pour moi. Ça vous inquiète, cette situation? Oui. Ben non. Un petit peu, j'aimerais bien le voir heureux, j'aimerais bien qu'il sera stable, mais je suis très fière de lui. C'est mon bébé, c'est ma fierté. Le projet de fast-food social de Kamel a tapé dans l'œil d'un grand nom de la gastronomie marseillaise. Le chef Gérald Paceda, 3 étoiles au guide Michelin. Il a créé spécialement pour eux 2 recettes de burgers sur mesure. Un au poisson et un autre au bœuf. Avec une mayonnaise dont il a le secret. On tartine généreusement quand même, hein. Si on réussit le coup comme ça, c'est l'hamburger classique, hein. Mais bien exécuté. Non, franchement, c'est quand même gourmand comme truc, non? C'est droit. Le chef a montré l'exemple,
Maintenant, c'est au tour de Kamel. Je prépare la mayonnaise. C'est pas pour moi, je crois. En plus de 20 ans de McDo, vous n'avez jamais fait de mayonnaise à McDo? Ah non, jamais. Jamais. Dire, nous, la mayonnaise, elle venait déjà prête. C'est-à-dire, aujourd'hui, de préparer la mayonnaise et de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette mayonnaise, c'est extraordinaire. Là, t'en as trop mis d'un coup, tu vois, ça a tranché. OK. On va refaire. Vous voulez monter la mayonnaise? Vous avez foiré ou quoi? Je l'ai démonté. Elle n'est pas montée, je l'ai démonté. Ben c'est bien, comme ça vous apprenez, c'est parfait. La recette est au point. En revanche, le modèle économique du futur restaurant tâtonne encore. Le prix de vente, ça serait combien? Ce burger, il sera revendu au même prix que le prix du revient. Vous faites belle marge? Non, sur celui-là, typiquement, non. Bon, OK. Pour nous, on ne gagnera rien dessus. C'est une discussion. Oh, mais c'est plutôt louable comme... Voilà. Je pense que de notre époque, c'est une nouvelle façon d'aborder certaines choses. En tant que chef d'entreprise, c'est certain que cette démarche, pour moi, il faut un petit peu de temps pour l'acquérir, si je puis dire, mais je la comprends réellement bien. Et je trouve que je pense que ce projet, il faut le voir dans le temps. Mais c'est pas un peu utopiste? Bah, je pense qu'il vaut mieux rêver que de ne pas rêver, oui, forcément. Mais c'est beau, quoi, je veux dire, c'est juste... C'est ça qui est charmant, quoi. Deux mois plus tard, le restaurant n'a toujours pas ouvert, faute d'argent. Nous sommes en mai. Les fondateurs de l'après-M espèrent encore ouvrir avant l'été. En attendant, l'équipe organise une fête pour remercier ses soutiens. Ça, c'est la mêlée, ça. 3700 personnes ont donné 25 euros pour financer le projet. Et la Fondation Abbé Pierre a versé 50 000 euros. En tout, 150 000 euros ont été récoltés. 14, ah, attendez, j'ai peut-être la monnaie. C'est pareil, on l'a aussi. C'est le futur des mobilisations. Reprendre des emblèmes comme cela pour en faire ça, ouais, je trouve que c'est fort et puis ça donne des horizons. Pour lever des fonds, Kamel multiplie les contacts. Le social et l'écologie ne peuvent pas se dissocier. Comme avec cette Américaine qui travaille comme guide touristique. Enchantée, ravie, j'habite à Marseille, donc moi ce que j'aimerais bien faire, que moi je fais les visites pour les Américains qui viennent, qui veulent les balades culinaires, et au lieu de juste faire les restaurants, j'aimerais bien l'amener ici. Parce avec que je plaisir. Le vois avec l'innovation sociale qu'on est en train de faire à Marseille. Elle est bonne, ce pain là ou quoi là? Elle est très bonne, monsieur. Le chef Paceda, lui aussi, a été invité. Il a rendez-vous avec Coralie, une ancienne salariée du McDo, chargée des cuisines. Ça y est, vous avez bien nettoyé alors. Ça, c'était le point. Oui, c'était le point. C'est le point de départ en fait. C'est le point de... Faute d'argent, impossible de payer des sociétés de nettoyage. Vas-y, Coralie. Coralie a passé des semaines à récurer et à réparer les machines. Bah, déjà, ça sent nettement meilleur. Hein. Non, ça a vraiment changé. Superbe. Les plafonds aussi. J'ai... Ouais. Ah oui. Non. Hein. Et là, ça va, c'est top. Derrière, vous avez tout fait comme il faut. Ah oui. T'as tout tiré. Tout tiré, tout nettoyé. Dessous aussi, c'est pareil. Hein. C'est vraiment pas lent. Rien n'échappe à l'œil du chef étoilé. Ouais. Ouais. Il y a tous les pieds, tu vois. Il faut les faire. Tu les grattes avec un couteau. S'ils ont pris un coup, ils se sont écrasés. Donc en fait, pour bouger une machine, ça devient très compliqué. Alors, il fallait s'y mettre. Hein. C'est vraiment le moment. Hein. Faut y aller, là. Parce que sinon, si on rigole trop... À la fin, on va pleurer, quoi, tu vois. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut être impeccable sur l'hygiène. La cuisine, vous allez la renettoyer, de toute manière, avec les produits dont on a parlé. Voilà, il ne faut pas lâcher. Qu'on puisse mettre en place une marche en avant, quoi, comme on fait dans les cuisines, OK, pour être hygiéniquement et gustativement au top niveau. Respecter le QSP, qualité, service, propreté. Voilà, moi je me suis bien, si tu dis. Bah. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Quant à une ouverture à l'été 2022, le chef n'y croit pas. Bon, nous sommes le 15, c'est ça? 15 mai? On ne va rien annoncer, quoi. On ne va rien annoncer. Voilà. Ah ouais. Hein? Parce que ça va être.
Ça va être intense. Il est passé de salarié, puis salarié en lutte, à chef d'entreprise. Ah, c'est différent. Et ça, c'est un challenge quand même. C'est vraiment un challenge qu'il va falloir, qu'ils ont commencé à appréhender, je pense. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, il va falloir passer du côté où tu peux pas dire « je vous tape dessus ». C'est vrai. Ouais. Vous êtes obligé. Il va falloir, à un moment donné, reprendre cette casquette-là, double casquette. Et là, ça va être... Je pense pas que ce soit si compliqué que ça, parce que vous êtes tous intelligents. Et à un moment donné, vous allez comprendre que bah, les mondes doivent un petit peu s'unifier pour arriver à produire. Voilà, vous êtes obligé d'arriver à produire. À un moment donné, il faut produire. Et là, c'est tout le travail d'un chef d'entreprise que vous êtes devenu. Que vous allez devenir. On espère devenir. L'espoir d'ouvrir pendant les vacances vient de s'envoler. Mais l'équipe s'accroche à son rêve. Tout l'été, ils défrichent, nettoient, renettoient. Et ils envoient des dossiers pour obtenir des financements. En septembre, une banque accepte de leur prêter 60 000 euros. À une condition, modifier les statuts de leur coopérative, jugés trop rigides. Et ça pour Fatih, il n'en est pas question. On a cru comprendre que ce modèle n'était pas celui préféré des banquiers, parce qu'il ne les rassurait pas. Mais nous, on ne crée pas une société économique avec un patron, avec des bénéfices, avec des plus-values, avec des stop-options. On est puristes sur la base de nos valeurs. Nos valeurs, on veut les garder telles que. Conséquence, il n'y a toujours pas de quoi ouvrir le restaurant. Bonne nouvelle, en septembre, la préfecture leur accorde 20 emplois aidés, soit 10 000 euros de subvention par temps plein. D'abord, bonjour. L'aventure peut enfin démarrer. Kamel et Fatih vont embaucher. Est-ce que vous avez quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'après-m? C'est pas une entreprise quelconque. On vous accueille dans un ancien McDonald's qui a une petite histoire. En quelques jours, ils reçoivent des dizaines de candidatures. Comme deux patrons, ils vont devoir faire des choix. Darine, une réfugiée libanaise, a 45 ans. Moi, je cherche quelque chose près de chez moi, c'est très important. Ah ben là, on n'est pas très mère de trois enfants, elle est au RSA. Oui. J'ai pas beaucoup d'expérience dans ces domaines, vraiment. Parce que moi, je suis avant infirmière. Parce que vous avez une amplitude horaire. Vous dites, je commence à 9h, je finis à 4h30. Oui. Si vous travaillez sur cette amplitude horaire-là, vous faites vos 35 heures en 5 jours. En 5 jours, OK. Donc, ça rentre dedans, hein, y a pas de souci. On va essayer de partir sur 26. Voilà. Après, d'accord. La suite, on avisera. Donc, 26 heures. Merci beaucoup. Merci à vous. Fatih était prêt à l'employer 35 heures. Kamel, lui, n'en a proposé que 26. L'ancien syndicaliste s'est vite mis dans la peau du responsable d'entreprise. Moi, j'essayais de voir comment arriver à lui organiser son temps en fonction de sa vie personnelle, de ses enfants. Puis moi, je sais que c'est quelqu'un qui a besoin de salaire, donc c'est pour ça que j'essayais de voir comment on organise pour qu'elle ait un temps plein, malgré le fait qu'elle ait des enfants à charge, etc. Et toi, j'ai vu que tu me dis non, il faut organiser autrement. J'aime pas avoir cette posture parce que d'un coup, je me suis mis dans la peau de l'employeur, alors que j'ai toujours été syndicaliste, j'ai toujours été salarié et fier de l'être. Et là, je me suis dit, mince, de lui proposer tant d'heures sur une plage d'horaire qui est restreinte, on risquerait de mettre en difficulté la santé de l'entreprise. Tu as raison, l'après-midi, il n'y a pas grand monde à servir et c'est plutôt à midi et le soir. Là, vous commencez à passer de l'autre côté de la barrière, non ? Oui. Aujourd'hui, avec ces entretiens... Oui, mais en même temps, on n'est pas patron parce que nous n'avons pas d'intérêt personnel, ni financier, ni de représentation, puisque notre seul intérêt, c'est d'investir, nous, notre temps et notre argent pour que des autres travaillent, pour aider des autres. Par contre, le cadre dans lequel on est, c'est d'embaucher des gens, c'est le salariat, ben on est obligé de garder les règles. Finalement, on a du mal à se positionner, on est en même temps des patrons qui nous mettons du côté du salarié et qui veulent faire fonctionner une machine. Donc c'est un challenge compliqué et dans lequel
on est un peu dans la difficulté. Bon, on a bien vu les ambiguïtés dans lesquelles on se trouve dans un moment d'embauche comme celui-là. On est dans la tendance à se dire, mais comment je peux l'aider? Et en même temps, on se dit, ouais, mais attends, si je l'aide, comment je fais pour gagner un peu d'argent pour aider les autres? L'ouverture est dans 2 semaines. Il faut vite former les nouveaux. Alors, il y a Maria, Amina, Modou et Ryan qui sont en cuisine pour la formation OVNI. Je vous laisse y aller. D'accord. Commencez à y aller. Un ancien bras droit du chef Paceda, Sébastien Dugast, est venu bénévolement donner un coup de main. Du coup, tout le monde est là? Non, qui est-ce qui est avec nous ce matin? Le but aujourd'hui, c'est de sortir... Il y a un musicien, pour ce midi. Une vendeuse de vêtements ukrainienne, une ancienne employée d'EHPAD. Donc ça, tomate confite, on a dit 100 grammes. La plupart ne connaissent rien en cuisine. Comme ça, c'est parfait. Couteau sur les phalanges. Toujours. Kamel, c'est une formation accélérée. C'est une formation très accélérée, parce qu'on ouvre dans quelques jours. Même moi, je découvre et je suis... Waouh. J'apprends. L'ambition est que tout soit frais et fait maison. Sel, poivre, et c'est halloute. Kamel a inventé un mot, fastronomique, entre fast-food et gastronomie. Magnifique. Toutes ces couleurs, j'aime trop, c'est bon. Pour se démarquer de la concurrence, l'équipe a déniché cette drôle de machine. Et donc après, on fait attention, hop, on appuie. Attention, voilà. Et voilà, on presse et après on met le timer. Voici les premiers burgers, signés du grand chef Paceda. Les premiers ovnis, c'est des soucoupes, c'est... C'est les premiers jamais sortis, ça. C'est les premiers, inédits. Ça y est, on a des belles colorations, on voit bien le sigle après-m. Donc tendance, s'ils sortent déjà tous comme ça, déjà, ça serait une belle première. Non, c'est moi. L'ambiance est décontractée. Elle le sera beaucoup moins 5 jours plus tard. 5 décembre, jour de l'ouverture. Pardon. La carte ressemble beaucoup à celle d'un McDo. Sauf que le Big Mac s'appelle le Mouse Costaud et qu'il est 1 à 2 euros moins cher. Le fameux burger inventé par Gérald Paceda est le produit phare du menu. Dès midi, le restaurant est débordé. La frite, elle est dessus. Désolé, monsieur, ça va arriver. Non, il n'y a pas de souci. Au moins, vous profitez du nouveau restaurant. Certains clients attendent déjà depuis une quinzaine de minutes. Amina, la sauce, s'il te plaît. La garniture, bien au milieu, s'il vous plaît, centrée. Bien au milieu. L'arrivée du chef Paceda va sauver la situation. T'as encore des trucs comme ça. Comment ça se passe, hein? Très bien, hein, ça commence un petit peu dans le rush. C'est vrai, c'est vrai. Un peu les tests aujourd'hui. Dans le stress, les cuisinières ont mélangé les recettes. C'est pas bon, là. Oui, c'est pourquoi ça, sauce cocktail, c'est avec le bœuf. Bœuf, oignon confit, cheddar, salade, tomate. Là, le chou rouge, c'est pour le poisson, avec la sauce oui, grecque. Oui, c'est ça, avec le poisson. Oui, mais c'est pas la sauce cocktail, c'est la sauce grecque. Faut le refaire. Ouais, tu le refais complet. Refais complet. Ouais. Et la plaque de cuisson ne chauffe pas assez. Il faut le faire derrière, l'hamburger. Dans les... Parce que regarde, moi, tu vois ce que je veux dire. Moi, je veux bien faire tout ce que tu veux, mais là, ça va toujours ferrer, puis je me crame les mains. D'accord. Ça marche pas. Donc, il vaut mieux passer là-bas. J'ouvre un rabat là-bas. Ouais. Ça j'en veux pas. Jette. Voilà. Ça, on jette. On termine. Tu repars sur du neuf et on fait là-bas. Vous êtes arrivé à point nommé, finalement. Oh, complètement. Non, vous mettez rien. Vous touchez la purée. Ça sert à rien. On va tout changer, on va le faire là-bas. Tu peux me passer le sel et le poivre? Là. Sel et poivre, là. Merci. Salt and pepper, bravo. Gérald Paceda, dans le top 100 des meilleurs chefs du monde, semble plutôt s'amuser de se retrouver dans les cuisines d'un fast-food. Ça y est, c'est bon les filles, on est bon là? On est prêts ou quoi? Parce qu'on y va là, on dépote maintenant, on rigole pas là. Ok? Allez. Tu me déposes ça dessus avec le cheddar au four. Non, pas du en tout. En une vingtaine de minutes, ils rattrapent leur retard. Bah celui-là, il est pas moche, hein. Un tout petit peu laborieux, les gars. Et les filles, mais bon, ça va y arriver. Ce midi-là, ils vendront une centaine de burgers. Il y a l'OVNI.
hein. Ouais. Il y en a un. C'est Omnibœuf. Ouais, Omnibœuf, la dame, ça faisait un petit moment. Voilà. La frite, s'il vous plaît. Magnifique. Bon appétit. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais, salut. Il faut un certain temps pour se roder clairement, quoi. Bon, il manque certains plateaux, il manque certaines choses. Mais il ne faut pas leur en vouloir là-dessus. C'est... Même un grand restaurant n'y arrive jamais. Jamais, jamais. Il faut laisser un peu de temps au temps, quoi. Ce qui est logique, en fait. Du temps. C'est justement ce dont manque cruellement l'équipe de l'après-M. Allez, on s'est l'employé, tout le monde. Ahmed. C'est important de répondre quand on communique. Sinon, et pour vous, si on avait un truc à modifier sur ce service, qu'est-ce que ça serait? Rien. Rien, carrément? Bah, on a été parfait, genre. Non, on n'a pas été parfait. Mais fallait le temps qu'on prenne nos marques, qu'on s'ajuste sur les choses. Ouais. Donc, fallait bien qu'on passe par cette journée. Ouais, c'est bien, c'est une bonne c'est un bon état d'esprit, ça. C'est important d'écouter et de répondre. Vous savez, quand on vous dit lavage des mains, on n'est pas juste une alarme. C'est derrière, vous répondez. Oui, ok, ce que vous voulez, mais vous répondez comme ça, on sait que l'information est bien arrivée à vos oreilles. Autant que possible, il va falloir dire ce qui n'a pas collé, parce que ça peut que nous aider. Hein, je sais pas, moi je sais pas, j'ai jamais travaillé dans un resto. Pour eux, apparemment, mais... tout était nickel. Non, c'était pas nickel. Chacun dépend de l'autre. Si on communique mieux, qu'on répond, que chacun reste à son poste, qu'on pointe, qu'on dépointe quand il faut, je pense que ça va être plus fluide. Kamel, lui... joue la transparence. À peine ouverte, l'entreprise a très peu de trésorerie. On est à l'agonie, financièrement. On va plus avoir d'argent. Et on ne fait pas rentrer d'argent et on va sortir de l'argent. Donc, je vous en rassure, vous avez tous eu votre salaire. Vous avez tous eu votre salaire, vous inquiétez pas, on sait trop que vous en avez besoin. Mais je vous dis, mais on ne peut pas durer longtemps comme ça, rester en roue libre. Sachez qu'on a besoin que, qu'on avance. Désolé, j'ai pas eu la formation martienne. L'explication tournera court. Il faut enchaîner sur le service du soir. Ouais, t'as fini. Tu vas déposer. Tu prends ta carte et tu vas... Cinq jours plus tard, c'est l'inauguration officielle. Le maire de Marseille, Benoît Payan, vient couper le ruban avec les filles de Kamel. Bravo! Il vient tout juste de signer un bail commercial à l'association. Il n'est pas ici en terrain conquis. Sa liste n'a fait que 15% en municipal dans ce quartier. Le restaurant lui offre une tribune sur un plateau. Ça vaut bien quelques superlatifs. Ici et maintenant, vous vous inscrivez dans l'héritage direct des grands combats humanistes. Vous êtes les héritiers des travailleurs marseillais qui, au 19e siècle, ont obtenu la réduction du temps de travail. Vous êtes les héritiers du Front Populaire, vous êtes l'après-M. Et vous avez inventé un modèle. À l'intérieur, les commandes s'enchaînent. La commande 503. Pour rester à flot, l'après-M doit faire 400 couverts par jour. Il y a besoin aussi de s'assurer qu'on arrive à rentabiliser la machine, payer les factures. Donc moi, je suis encore déjà dans demain matin. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes à une étape. Je rappelle que le projet n'est pas de créer une entreprise, jamais d'avis, de créer un commerce. Notre idée, c'est de créer une activité qui permette de fabriquer de la solidarité et de l'entraide. Depuis l'ouverture, l'après-M est un succès populaire. Mais ils vendent 300 repas par jour. Il en faudrait 100 de plus pour être rentable. Une souscription va être lancée pour renflouer les caisses de la coopérative. Et ils vont bientôt lancer leur propre service de livraison.